chanson à la loupe. Rebecca Manzoni. Tous les mois dans Pop & Co, le labo, on examine une chanson sous toutes les coutures. Ce mois-ci, on décortique de Nino Ferrer. Pop & Co, le labo, une série de vidéos à découvrir d'urgence sur la chaîne YouTube et sur le site de France Inter. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez exceptionnel ? Chez Roche-Bobois, nous vous offrons 8 jours qui, comme vous, sont exceptionnels. 8 jours pour découvrir le design et le savoir-faire de Roche-Bobois et profiter de prix très séduisants dans toutes les collections. Mais il faudra faire vite. Normal. C'est exceptionnel. Les 8 jours exceptionnels Roche-Bobois, c'est jusqu'au 19 novembre seulement. Magasin ouvert ce dimanche sur rochebobois.com. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter puisque c'est à vous, Charlie. Ah bah non, Marécaire. Après les 8 jours exceptionnels Roche-Beaubois, c'est sûr que bah le voilà, silence qui vient après, c'est aussi du Roche-Beaubois. C'est pour ça qu'on le remplit, je vous dirais. Bon, allez, allez hop. Merci Laetitia Gaillet. Bah bah parti, bah je suis là, je suis là, mais bon, on me dit, on fait cool. Salut Charline. Salut Alex. Dis, rappelle-moi qui on reçoit aujourd'hui. Oh, une bien belle actrice, Marianne Basler. Oui, oui, avec une belle équipe, je sais. Oui, mais... toute ouais, belle équipe. Ouais, oui, c'est pas pareil. Alors, donc la documentation. Oui, regarde là. Oui. Elle est née à Bruxelles. Ah, Uccle, elle est née précisément. Ah, ouais, c'est moi aussi. Ah, c'est pas si étonnant. Quand bah, même. Quoi. Bah, ce qui aurait été étonnant, c'est que vous naissiez tous les deux à Molenbeek. Oui, c'est vrai, mais bon. Sinon, elle a appris même à jouer en flamand. Ah, mais ça, mais exprès, coke, flamme, c'est fou les points communs qu'on a. Quoi. Calme-toi, un bel sur deux parle flamand quand ouais, même. Oui, c'est vrai. Et tiens, elle a joué dans Trois hommes et un couffin aussi. Ah, quoi ? Mais moi aussi, j'ai joué dans la pièce. Oui, c'est vrai. Ah, mais ouais. Tu veux pas te rendre à l'évidence, Charline, c'est fou. Hein ? On était fait pour se rencontrer, Marianne et moi. On est nés au même endroit. Ouais. On parle les mêmes langues. On a joué les mêmes choses. Alex. Je devrais l'emmener sur une plage à Ostende. Oui, bah calme-toi d'abord. Je suis vraiment j'ai des caricoles ou des croustillons ou des bablucs. Arrête de faire ton belge, là. Oh, fera du quistac sur la digue pour aller voir un spectacle au Cursaal. On comprend rien, Alex, ça suffit là. Mais quoi ? Tu me remballes ton côté belge, tu potasses ta Normandie plutôt. Mais pourquoi ? Et Marianne Basler, elle vient pour un texte d'Annie Ernaux. Mais non ! Mais quoi ? Mais c'est fou les coïncidences. Oh, moi non. Aussi, j'ai lu du Annie Ernaux. Ah, bah ça alors, où ça ? Bah, dans un livre d'Annie Ernaux. Ah, c'est complètement fou ces coïncidences. France Inter, vous écoutez l'émission du service public dont le titre rend hommage à son actionnaire, mais les informations qu'elle traite un petit peu moins. Le Nouveau Monde en marche à dégager l'ancien, mais pas assez loin, parce que Hollande, Royal ou Sarkozy reviennent à pas feutrer sur les ruines de leur parti, qui les voit pourtant en possible recours. La preuve qu'ils n'écoutent toujours pas les électeurs. Revenir ou disparaître définitivement, que feriez-vous à ma place, hein, vous qui êtes un homme de bon sens? Je disparaîtrai définitivement. Celui-là, c'était Jospin. La numérisation de tous les services publics, c'est aussi formidable que cela peut être excluant pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Internet ou qui n'y ont pas accès. La révolution numérique va laisser des gens au bord de la route et cette exclusion porte un nom, l'électronisme. En plus, je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des trucs débiles, là, c'est ces ronds jaunes qui attirent la langue. Les smileys, ça. Ouais, voilà, les ça, là, oui. Les actrices tiennent leur revanche de la cinquantaine, apparemment. Comme dans la société, les quinquas parviennent à se réinventer, nous dit-on, et à repousser le moment où elles seront envoyées à l'arrière-front. Tu sais, des rôles importants, à mon âge, il n'y en a plus beaucoup. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. On est les mêmes qu'à 40 ans, mais en pire, ça devrait inspirer les gens, ça, non ? Ça, ça inspire en tout cas beaucoup Alex Vizorek. Mais oui, qui bonjour, est avec nous, avec une belle équipe. Alors là, une toute belle équipe. À 17h20, quand Annie Ernaux a écrit « C'est l'absence de sens de ce que l'on vit au moment où on le vit qui multiplie les possibilités d'écriture », elle pensait sans doute aux chroniques d'Hippolyte Girardot. Bonjour. Si, mais c'est vrai, mais je ne sais pas, c'est pas Hippolyte, c'est Hippolyte. Ah. Parce qu'Hippolyte, il est encore en Italie, il travaille beaucoup, il m'a dit « Tu vas les voir, tu fais une petite chose sur l'actualité, tu vas, tout le monde sera très content. » Alors, une surprise pour moi, pour vous, pour tout le monde, mais Hippolyte est là quand même. Le cousin italien d'Hippolyte Girardot, à 17h30, quand Annie Ernaux a écrit « Larmes, silence et dignité, tel est le comportement qu'on doit avoir à la mort d'un proche. » Il ne pensait sans doute pas aux chroniques de Christine Gonzalez. Non. Je vous propose, comme chaque semaine, une nouvelle connexion avec l'au-delà. Aujourd'hui, je fais revenir Léon Zitrone, qui est très très heureux qu'on lui tende le micro. J'aimerais que votre émission aide le public à comprendre que je suis un homme
facile d'accès. C'est pas sûr. Et à 17h40, quand Annie Ernaux a écrit « Je ne construis pas un personnage de fiction, je déconstruis la fille que j'ai été », il pensait sans doute à Juliette Arnault. Bon, elle pensait sans doute à Juliette Arnault, tant pour moi. Oui, c'est sûr. Non, j'étais encore sur Citroën. C'est sûr qu'elle pensait à moi. En tout cas, moi, je pense très fort à elle. Et c'est d'elle que vous allez nous parler. Évidemment, puisque je pense très fort à elle. Très bien. Et à 17h55, Annie Ernaux n'a pas écrit « Ce que j'aime dans les chansons de Frédéric Fromet, c'est qu'il y a autant tout que rien ». Et il sera donc là, à la fin de l'émission, pour nous en chanter une. Et voici celle qui va présider cette séance. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Marianne Bassler. Mais oui. C'est elle, j'ai vérifié. France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue dans l'Open Space, Marianne Bassler. Merci d'être avec nous. Mais merci de m'accueillir, surtout. Alors en plus, aujourd'hui, il y a une chronique suisse, il y a une coprésentation belge. Vous avez grandi en Belgique, vous avez le passeport suisse. Vous vivez à Paris, je pense que... J'ai les trois nationalités. Je suis vraie européenne. La francophonie représente. L'autre fille, Annie Ernaux, c'est le texte que vous que délivrez. J'ai le bonheur de jouer tous les soirs. Sur scène, tout à fait, au Théâtre des Déchargeurs, jusqu'au 1er décembre, du mardi au samedi. Et ensuite, vous sillonnerez la France, notamment, vous passerez à Marseille ou à Nevers, vérifier si Marianne Bassler passe avec Annie Ernaux, le texte. L'autre fille, Alex Vizorek, vous êtes allé au théâtre. Comme vous me l'avez demandé, je suis allé. Ordonné même. Vous m'avez dit, va écouter Marianne Bassler qui lit du Annie Ernaux. Et donc, effectivement, première surprise pour moi, parce qu'effectivement, il s'agit d'une lettre. Le livre est une lettre à la sœur qu'elle a eue, qu'elle n'a jamais connue. Et vous ne la lisez pas, vous l'interprétez. Alors, j'ai vu que vous commettiez en scène le spectacle. Est-ce que c'est le premier choix que vous avez dû faire? Est-ce que je lis cette lettre sans lettre ou est-ce que je l'interprète en l'étant? Mais en fait, c'est une aventure qui a commencé par une lecture pour texte et voix. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas de matériau de théâtre pour moi, je ne vais pas pouvoir. Et petit à petit, ça m'obsédait et je m'en suis, au fil du temps et des circonstances, emparée pour faire un spectacle. Et il y a dans Annie Ernaux matière à théâtre dans chacun de ses textes. Et c'est soir après soir. C'est ma plus belle aventure, d'une certaine manière, ma plus belle aventure théâtrale. Et c'est peut-être aussi pour ça que je co-signe la mise en scène. Mais c'est vrai que le metteur en scène, c'est Jean-Philippe Puy-Martin, qui est le regard, qui est mon regard. Mais il y a beaucoup d'idées qui se sont construites ensemble. Voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, même si c'est dans une extrême simplicité. Chaque chose est sous-tendue par une nécessité pour nous. L'histoire, l'ambiguïté de l'histoire, peut-être Juliette en parlera plus précisément tout à l'heure, mais donc c'est qu'elle écrit à sa sœur qu'elle n'a jamais connue. Ses parents l'ont faite, elle, un petit peu en... Elle se pose des questions. Est-ce qu'on l'a fait en compensation de cette sœur? Est-ce qu'elle aurait existé? Est-ce qu'elle aurait eu cette même vie? Elle dort dans son lit, non? Elle porte son carta, probablement ses vêtements. C'est une histoire qui a souvent lieu. C'est arrivé à Van Gogh. Vous voyez, ça ne lui a pas tellement réussi. bon, c'est arrivé à Eric Carvaca quand on a fait un film magnifique qui était Carré 31, je crois. Voilà. Et ici, ce que je trouve merveilleux, moi, ce texte, il m'a travaillé, en fait, il ne m'a pas quitté. Ça m'arrive parfois au théâtre de repenser, mais avec celui-ci, ça a été très, très, très fort, peut-être parce que ça m'a renvoyé à un récit de mon histoire familiale et qui finalement, elle a ouvert tout un pan et m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Mais ce que je trouve très beau, c'est qu'elle instaure un dialogue avec cette sœur, qu'elle lui parle vraiment et qu'elle ne cesse de lui parler, de l'interroger et d'établir une complicité. Je trouve ça très beau. Et soir après soir, je me rends compte qu'on a peut-être ce point commun. Enfin, c'est un petit peu horrible de dire ça à la radio. Mais elle dit à un moment donné, lutter contre la longue vie des morts. Moi, c'est vrai que j'ai le sentiment que des gens qui ont disparu, je continue à établir ce dialogue avec eux et peut-être... C'est pas Christine Gonzalez qui vous dira le contraire. Non, j'ai l'impression. Mais en plus de ça, il y a cette question du faut-il le dire à l'enfant, quand le dire et comment le dire. Parce que les parents
N'en parle pas. Et sans doute ont voulu bien faire. Et elle leur reproche un petit peu. Elle leur reproche tellement qu'elle intègre cette information que les parents ne veulent pas lui en parler et qu'elle-même, elle ne va pas chercher l'information. Et donc, elle a un ressenti terrible de ça. Oui, surtout, elle se dit, mais pourquoi je ne leur en ai pas parlé ? Donc, elle tout à coup, ça lui devient insupportable, ce questionnant qu'elle s'accorde à elle-même. Et surtout, l'oubli qui est le sien. Et c'est peut-être ça qui m'a renvoyée à mon histoire familiale, c'est que moi-même, j'ai entendu cette histoire et je l'ai oubliée. Et je m'en suis ressouvenue peut-être le jour où j'étais prête. Et elle sait aussi qu'elle a déjà entendu ce récit, mais qui s'est évaporé dans la mémoire de l'enfance, mais que cette fois-là, elle l'a fixé parce que sa mère a dit qu'elle était plus gentille que celle-là. Et ça, tout à coup, ça lui devenait insupportable parce qu'elle était détrônée. Elle était plus gentille que l'autre, je crois. Elle était plus gentille que celle-là. Ah bah c'est rigolo parce que moi, j'ai noté de mon souvenir que l'autre. Non, je veux bien prendre Juliette, t'as le texte entre les mains. Mais je trouvais ça, j'ai pensé ça. Et c'est, oui, celle-là, c'était... Et après, elle dit, celle-là, c'est moi. Et l'autre fille, c'est elle, Annie Ernaux. C'est pas l'autre. Oui, je suis l'autre. C'est vrai que celle-là est pire que l'autre. Mais c'est assez drôle, en fait, tout ça, parce qu'elle parle avec elle. Il y a un petit côté cours de récré. Nanana, finalement il m'aimait plus et c'est moi qui ai eu un vélo, etc. Donc c'est finalement, il y a beaucoup de fantaisie dans tout ça. J'avais posé la question à Grégory Gadebois parce qu'il était venu nous parler de Marguerite Duras qui a un langage très particulier. Annie Ernaux aussi, c'est une écriture particulière à rendre théâtralement. Comment vous l'avez travaillé? Pour moi, c'est le contraire de Duras. Moi, j'ai joué Duras. Duras, c'est une écriture qui est assez lyrique. Annie Ernaux, ses parents, c'était des prolos, c'était des ouvriers, des gens qui ont grandi dans l'échelle sociale, entre guillemets, qui ont pu acheter une épicerie. Mais quelque part, elle a eu le sentiment de se désolidariser d'eux en devenant une femme cultivée. Et pour retrouver sa vérité, Et ne pas rompre avec ses parents, elle a voulu garder ce langage plat, comme elle dit, je crois, plat ou neutre, blanc, ben, je ne sais plus quel terme elle utilise, j'utilise peut-être à d'autres écrivains, et c'est sa manière à elle de rester en connexion avec ses racines, avec son histoire, avec sa vérité, et c'est finalement très théâtral, parce qu'il n'y a pas de maniérisme. Duras. Oui, il y a moins de maniérisme, mais il y a quand même une façon de ramener les sujets, de ramener les phrases, de s'introspecter, si je peux dire ça comme ça, dans l'écrit. Jouez pas au Scrabble avec Vizorek, je vous le dis. Sauf que. qui doit être difficile à rendre. Plus Duras. Annie Ernaux ne fictionne pas, c'est son histoire. Et de l'infiniment petit de son histoire, elle rejoint. Pardon, l'universalité de chacun. Et une œuvre très sociologique, en fait. À éprouver au théâtre Les Déchargeurs, c'est jusqu'au 1er décembre. Et ensuite, dans quelques villes de France, ou quelques festivals, Marianne Bassler, où vous passerez avec ce texte L'autre fille d'Annie Ernaux. Et Juliette Arnaud y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Il y a aussi Christine Gonzalez, il y a Hippolyte Girardot. C'est le cousin. Le cousin italien. Vous avez raison. Vous lui ressemblez vachement, c'est fou quand même. On se ressemble un peu, c'est vrai. On m'a dit ça.
Ivor, Tsegué, et c'est vrai que c'est fort gay comme musique. Oh là là. Juliette Arnoux nous a dit j'ai dansé là-dessus la semaine dernière. Ça se danse en boîte, comment ça se passe? Ah oui, c'était dans une soirée, je me suis bien remuée dessus. Ah bah dites donc. Je vous conseille. Alors merci à Djoubaka, la programmation musicale pour Tsegué qui chante Survivor sur France Inter à 17h22. Notre invitée, c'est Marianne Bassler qui est sur scène en ce moment au théâtre Les Déchargeurs avec le texte d'Annie Ernaux, L'autre fille, mis en scène par Marianne Bassler avec. Et Jean-Philippe Puy-Martin. Et Jean-Philippe Puy-Martin, exactement. Jean-Philippe Puy-Martin et Marianne Bassler. Ouais, oh là, donc, tu vois, il y a une hiérarchie. De... C'est pas nuit debout chez vous. Hein. Alex Vizorek, qui est autour de la table? Eh bien, celle qui vient de Boîte de Nuit, Juliette Arnaux. Celle qui vient de Suisse, Christine Gonzalez. Et l'amico d'Hippolyte. On a très très peur. On a très peur, mais en attendant, il y a de l'information. Les Français, il ne faut pas leur faire la leçon. Il faut leur donner des informations, beaucoup d'informations. Le journal de presque 17h17. Nous sommes sauvés! Et on commence par les titres. Demain, c'est le fameux 17 novembre, oui, la journée des Gilets jaunes. Oui, a priori, on va bientôt sortir de la crise, puisque vu la dégringolade de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, à force de creuser, il va en trouver du pétrole, c'est pas possible autrement. Le préfet du Nord et de la région Hauts-de-France annoncent des opérations manu militari contre les Gilets jaunes si nécessaire. Et problème, si vous tombez en panne le long d'une autoroute dans le Nord demain et que vous mettez votre gilet jaune, la police va intervenir, mais est-ce pour vous sauver ou vous taper dessus? On ne le sait pas. Les brèves? Oui, personne à part vous ne proteste contre les brèves. Oui, c'est vrai. Et commençons par l'événement d'hier, oui, car c'était le grand retour du Beaujolais nouveau. Noël en novembre, comme l'appelle Juliette Arnaux. Politique à présent. Oui. Édouard Philippe, avant ce week-end, est très très concentré. Quand on s'attelle à transformer la réalité, ça peut susciter des questions. Il y a force de voir des beaux lolos, il est déstabilisé. Justice à présent, Georges Tron, jugé pour viol et agression sexuelle, a été acquitté. On va pouvoir recommencer à prendre la vie du bon pied. Oui, et je crois que c'est surtout la seule bonne nouvelle dans cette info, voilà, c'est qu'on n'entendra plus ce genre de blague. Voilà. Allez Marseille. Oui, plus de 10 000 personnes ont manifesté à Marseille au cri de Gaudin assassin. Et c'est vrai qu'au rythme où les immeubles s'effondrent à Marseille, Gaudin sera bientôt responsable de plus de morts dans la cité phocéenne que l'inventeur de la Kalachnikov, c'est vous dire. Et d'une ville à l'autre, Anne Hidalgo veut rendre le centre historique de Paris piéton. Elle déteste tellement les voitures, Anne Hidalgo, que je la soupçonne le soir du Nouvel An d'aller cramer les bagnoles en banlieue. C'est pas possible autrement. International, mais oui, pas très très loin. Mieux que Gérald Darmanin, un ministre belge, inspiré par le Québec, propose un robot qui vous appelle pour vous forcer à payer vos impôts. Et c'est pas con, parce que si c'est Terminator qu'appelle Florent Pagny, je peux te dire que l'autre, il va pas rester au Portugal longtemps. Société, oui, à présent, les tickets de caisse pourraient bientôt disparaître. Oui, force ouvrière, espère que les notes de frais suivront bientôt aussi. Sport, lors d'une interview donnée à France Info, Mathieu Tordeur, le Français qui va affronter l'Antarctique en solitaire, a déclaré « J'espère ne pas devenir fou ». Voilà, il s'agit donc de quelqu'un qui a décidé de marcher 1150 km en 50 jours à une température de moins 50 degrés en tirant un traîneau de 100 kg seul et sans assistance. Je pense qu'on peut dire qu'il est déjà... Télévision. Oui, hier, Laurence Bloch, notre patronne tant aimée, aussi exigeante que soutenante, était l'invitée de Quotidien. Et Yann Barthès lui a demandé ce qu'elle dirait à Patrick Cohen s'il demandait à revenir. Je dis non, Patrick, mais non. Non, non Patrick, mais non. Et puis Julien Belvert, spécialiste média, a insisté. Vous avez toujours dit que c'était le meilleur professionnel de la radio. Le meilleur journaliste de la planète, ça, je le crois vraiment. Voilà, on salue Nicolas Demorand. Oui. Et Jean-Pierre Pernaut, qui ne sera pas le meilleur non plus. People, le rappeur Lil Pump a lâché dans le ciel un ballon rempli de fumée de cannabis pour que Dieu puisse fumer. Oui, et quand on imagine que Dieu a créé Trump, Erdogan, Poutine et Nabila, clairement, plutôt de la drogue dure hein, qui prend Dieu, je pense. Allez, les dernières brèves de la semaine. Ah, un homme de 28 ans meurt après s'être injecté du silicone dans les testicules. Non. Quand tu as du 95C dans le slip, ça ne va pas. Et la dernière, on a hâte. Et la dernière, des passagers d'un vol Pékin-Varsovie se cotisent pour l'achat d'une pièce indispensable au décollage de l'avion. Oui. J'espère que le patron de Ryanair ne nous écoute pas, sinon ça risque de lui donner des idées. Merci Alex.
Alex. C'est rien, c'est beaucoup les gens. Hein, quand même. En attendant l'arrivée d'Ippolito, le cousin italien d'Ippolito Girardot. Oui. Du calme, Ippolito. Nous sommes avec Marianne Bassler, la comédienne qui nous accompagne jusqu'à 18h et on va vous soumettre ce sujet. On est une équipe, hein, Marianne, donc ah oui, ne vous inquiétez non, pas. Parce que le premier, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je suis sûre que oui. On va trouver. Nous non plus, mais on va trouver. Il nous reste 30 secondes pour trouver. Le Nouveau Monde a pulvérisé l'ancien. Hollande et Royal ont été envoyés sur les roses. Sarko et Juppé dégagés, ce qui a affaibli leur parti, vu les cadors qui leur ont succédé. Alors aujourd'hui, ils reviennent à pas de loup et ils apparaissent même comme un recours. L'ancien monde n'est pas tout à fait fini, surtout quand on connaît le goût des Français pour la nostalgie. Le jazz, c'est mieux avant. Les voitures, c'était mieux avant. Les jeunes, c'était mieux avant. Les clubs, c'était mieux avant. Les disques, c'était mieux avant. Les animaux, c'était mieux avant. La poste, c'était mieux avant. Les communistes, c'était mieux avant. La baguette, c'était mieux avant. Le front, c'était mieux avant. La France, la guerre, les photos argentiques, les amplis à lampe, les effets analogiques, les pochettes de disques, la presse satirique. C'était Jodahan. C'était mieux avant. C'est le Figaro qui aujourd'hui nous explique par exemple que les ennemis d'hier de Ségolène Royal deviennent ses alliés, comme Anne Hidalgo par exemple. Ouais. Au point que Ségolène Royal commence à incarner un nouvel espoir pour les socialistes. Attends, j'ai l'impression d'être en 92 là. Leur seul salut pour les européennes. Alors Marianne Bassler, vous regardez j'imagine quand même un peu la politique. Oui. Et oui, ces oui. personnages qui avaient disparu, balayés, dégagés, et puis comme ça tout doucement qui reviennent. Et pour lesquels on imagine peut-être un nouveau destin. Il y a un côté un peu romanesque dans la politique française, non ? Moi, en général, je trouve que les hommes politiques, j'ai pas envie d'en citer un plutôt que l'autre, mais ils sont toujours en campagne. Ils disent des horreurs les uns sur les autres. Moi, je trouve qu'écouter la radio, parfois, c'est épouvantable. Ça me stresse, j'éteins. Ah oui ? Souvent, il y en a un, j'éteins quand je l'entends. Donc, oui, pourquoi pas ? Mais je trouve qu'il y en a certains qui ont eu leur moment. Enfin, mm-hmm. En l'occurrence, Ségolène, elle n'a pas été présidente. Mais elle a peut-être encore des ouais. choses à dire, je ouais. ne sais pas. En même temps, c'est vrai qu'elle en a pris plein la gueule. Mais moi, j'ai un peu du mal à parler de. Pourquoi ? Parce qu'il y a. Parce qu'il y a un énervement. Ils sont toujours mieux dans l'opposition que lorsqu'ils sont. voilà, ils sont. L'arrivée, par exemple, de la Macronie, on a vu des nouveaux visages. Dans un premier temps, vous avez trouvé ça plutôt agréable ? Bah oui, plutôt. Oui. Bah nous aussi. Moi, je trouve ça. Moi, j'avais un grand-père homme politique en Belgique, mais la Belgique, comme vous le savez, c'est très différent. Donc, j'ai toujours recherché mon grand-père parmi les ministres socialistes, mais je ne l'ai jamais trouvé. Il était ministre, votre grand-père ? En Belgique. Mais pas en France. Ah. Je ne sais. Et le fait que ces personnages politiques se retirent, prennent du recul, et une fois qu'ils sont retirés et qu'ils prennent du recul, il y a une aura comme ça, presque automatique, qui les recouvre. Je ne sais pas, en même temps, c'est leur passion, comme nous les acteurs, donc je comprends qu'ils aient envie de continuer à participer. Mais... Cet effet de bascule, ça existe aussi dans le cinéma ou le théâtre. Le fait de prendre du recul un peu, de se faire un peu plus rare, puis de revenir, ça, je vais utiliser un terme très capitaliste, ça remonétise. Ça, j'en sais rien. Nous c'est, je crois que c'est pas pareil. Mais Juliette. Nous, c'est une passion, donc. Oui, vous voulez dire quelque chose, Juliette ? Ah, vaut mieux pas prendre de risques. Hein. C'est-à-dire, vaut mieux pas s'en aller. C'est-à-dire que. Mais je crois qu'en politique, c'est un peu la même chose. Tout le monde aime beaucoup Chirac, mais il faudrait pas qu'il lui prenne le bertingot de revenir. On l'aime bien, mais plus là. Voilà. Vous avez dit que les Français ont envoyé tous ceux que vous avez cités sur les roses. Ouais. Hollande s'est envoyé lui-même sur les roses, donc il n'est pas sur une défaite. Alors, je suppose que c'est plus facile plus de revenir. Il s'est dégagé lui-même. Oui. Il est malin. Alors, donc, nous sommes en présence d'Ippolito, qui remplace. Vous remplacez votre cousin Ippolite qui est resté en Italie, c'est ça ? Si, Charlinetta, si. Parce que Ippolite, il est par là, toujours à faire les films, tout ça. Il m'a dit, s'il te plaît. Tu vas dans l'émission, tu trouves un sujet quelconque de la trouver, et après tu fais une chronique. J'ai trouvé quelque chose qui est très bien, qui s'appelle les gilets jaunes. Ma que cosa, les gilets jaunes. Donc la révolution, la nuit debout ou comme la notte in piedi. Alors là, nous ne sappiamo. Oui, Ippolito, attendez, c'est France Inter ici, pas la RAI. Ah si, vero, scusa.
scusi. Ben, c'est vrai que les Français, ils préfèrent qu'on en parle en français. Ma scusi. Trump, il a dit que vous aviez commencé à parler l'allemand avant que les Américains n'y arrivent. Mais non, pas du tout. Vous parlez jamais l'étranger. Jamais. Non. Même vous, alors quand vous dites 8, on vous fait une remarque. Non, Charlie Nesta. Nous, on n'est pas dans les macaronis, non. Alors que pourtant, le poète Cocteau, il avait dit, les Italiens, ce sont les Français de bonne humeur. Mais bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'à Rome, la bonne humeur, non trop. Parce que la politique est terrible. On fait une expérience spéciale, non? Un peu comme si on faisait la pasta avec, je ne sais pas moi, la framboise ou quelque chose comme ça, non? Écoute, on a le gouvernement qui est la réunion comme si, ici, la France insoumise et le Rassemblement national de Le Pen étaient ensemble. Non, c'est comme ça aujourd'hui l'Italie. Et en plus qu'il y a un des chefs qui est de Milano et l'autre qui est de Napoli. Alors, c'est comme si on faisait le gouvernement avec les PSG et l'OM. Cazzo, vai. Tu vois un peu le bordel, non? Bon. Mais c'est intéressant parce qu'un des mouvements, les 5 Stelle et les 5 Étoiles, justement, il est né comme les Gilets jaunes. Si, il disait pas droite, pas gauche, juste le peuple. L'ennemi, c'était pas les taxes à l'époque sur l'essence, mais la corruption des élites. C'est la même chose, non? Le peuple, j'ai juste marre de se faire racketter. Juste marre de se faire voler dans les poches. D'ailleurs, le nom était 5 étoiles parce que 5, en lettres romaines, ça fait un V. Et le V, c'est la première lettre de l'expression italienne que justement les Français, celle-là, ils la connaissent très bien, très très bien. Oui, c'est vois. Va, fanculo. Oui, elles les connaissent très bien, évidemment. Le programme n'est pas intéressant, non, va, fanculo, d'un point de vue sexuel, oui, un peu corto au niveau politique. Et l'autre mouvement, la Ligue, ah, bah, on les connaît, ils sont droite, déchets droite, non. On les connaît depuis longtemps, le programme, c'est va, fanculo aussi. Mais surtout, va, fanculo les étrangers, va, fanculo l'Europe, tout ça. Bon. Alors tout ça, ça réunit tout le monde. Un peu comme ici la gasoline. Mais si, la gasoline à l'essence, c'est pas con que tout le monde il se met autour de la gasoline. C'est normal. Hein. Même les cyclistes, ils ont des voitures cachées, ils ont quand même des voitures. Alors, le peuple, il fait ce qu'il peut, mais ici en France, il ne faut pas toucher à la voiture. Parce que la voiture, c'est bien. Parce que la voiture, tu te sens libre, tu vois. Dans la voiture, tu peux crier, par exemple, contre tout le monde. Il peut imaginer une conversation avec le Premier ministre, il dit « Ah, va te taire, toi, va-t'en, tu me casses les oreilles. » Il n'y a pas de problème, personne n'écoute. La voiture, il peut écouter par Jupiter et dire tranquillement « Ah, Guillaume Meurice, tu es un enfoiré, tu es de mauvaise foi, tu es terrible. » Sans que quelqu'un lui dise « Mais arrête d'exagérer comme ça. » Tu dis « Oui, j'exagère et alors, non, mais frega niente d'exagérer. » Rien du tout. Il peut inventer toutes les brèves qu'une fois qu'Alex les a dites, par exemple, il peut dire « À bout de nerf, le Premier ministre crie au Bonolo quand on lui montre un chiffon jaune. Il peut dire des conneries comme ça, parce que sa voiture, il est chez lui. Alors il s'en fout qu'elle roule au diesel ou pas. Il est prêt à économiser l'eau, les vins, prendre au moins l'avion, manger du poulet au lieu du carpaccio, mais acheter même une gourde en verre, tiens. Mais la maquina, non! Tu ne touches pas la maquina. Et qu'on lui dise pas qu'on va l'aider à acheter une voiture électrique. Bah tu connais la voiture électrique, tu connais. Et tu as entendu le son de la voiture électrique? Maman, t'imagines Johnny en Harley Davidson avec ce bruit? T'imagines la descente des Champs-Élysées des motards pour son enterrement avec ce son à la con? Mais c'est pas possible, on dirait un aspirateur. Tu peux pas dire va fond cool en aspirateur. C'est nul. Par contre, c'est sûr que le gouvernement, lui, il aime bien l'aspirateur, celui qu'il met dans ta poche. Alors évidemment que c'est comme ça, mais tu mets les gilets jaunes et andiamo. Merci, Ippolito. Si, si, grazie tanto. Tutto gentile. Vous avez fait peur à Marianne Bassler. Vous restez avec nous, Marianne? Mais non, où est la collègue, vai. En tout cas, on remercie à la technique Rémi Sistiaga et Nicolas Delmas qui n'ont plus de tympan. Mais c'est pas grave, c'est toujours moins bruyant que la bagnole. Merci, Ippolito Girardot. On peut vous revoir sur franceinter.fr et sur notre page Facebook parce qu'il y a du moulinet, ça envoie. Et vous savez quoi, pour vous calmer, Étienne Dao, ça va bien vous calmer, ça veut dire. Et Voudou, ça t'a calmé tout le monde. Je suis la pluie de Mercure sur ta peau. Je suis ce canon qui sur ton dos. L'après-midi de manière complexe. Ton corps tressaille, contorsion cosmique et subtil réflexe. Sortilèges exquis dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex.
se perplexe. Sauf-t-il les jeux exquis dans ton vortex? Et je bouge dans ton vortex. Et je bouge dans ton vortex. Ce soir tous les anges sont voodoo, voodoo. L'astre mauve ne pique les yeux. J'épouse tous tes sourds sous périlleux. Jusqu'aux cieux. Dans ton vortex. Eh ben, c'est bien beau sur France Inter. C'est du joli. À 17h38, bien sûr, les enfants écoutent. Bon, allons-y, hein, évidemment. Marianne Bassler est notre invitée. Elle est sur scène au théâtre Les Déchargeurs jusqu'au 1er décembre avec le texte d'Annie Ernaux, l'autre fille dont on va nous parler, Juliette Arnaud, tout à l'heure. Et puis, elle passera sans doute près de chez vous. Et Marianne Bassler, vous êtes au cinéma. On pourra vous voir mercredi prochain dans un film de Michael Herz qui s'appelle Amanda. Voilà. Où vous jouez aux côtés de Vincent Lacoste et Jonathan Cohen. Voilà. Et Stacy Martin. Voilà. Très bien, bien. On a très, très, très beau film. Très, très, très fort, très émouvant. Avec une petite fille qui a le premier rôle. Voilà, c'est une très, très belle histoire. Premier rôle dramatique de Vincent Lacoste, ai-je entendu dans les médias? Peut-être, mais il a fait un film récemment sur des études de médecine. Là, le... Hippocrate. Non. Ah oui, la suite. Oui, comment, oui, première année. Ah, oui. Très bien. Qui est assez dramatique aussi pour lui, mais effectivement, ici, c'est très, 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 très beau. Alors, nous, on va poursuivre dans la gaudriole, plutôt. Enfin, semi-gaudriole. La connexion avec l'au-delà, que vous attendez chaque vendredi, avec Christine Gonzalez. Et oui, c'est une star des médias dans l'au-delà qui a accepté notre invitation aujourd'hui, Léon Zitrone, qui est un peu notre grand-papa à tous. Hein. Juliette, il a été co-animateur d'Interville, oui, comme vous. Comme moi. Charline, c'est un peu votre grand-papa aussi, hein, parce qu'il a commenté le mariage de Fabiola avec le roi de Belgique. Oh là là. Voilà, et puis Zitrone est un très bon comédien, comme vous, Hippolyto. Et Zitrone a commenté plusieurs fois l'Eurovision, et je sais, Alex, que c'est un vieux rêve pour vous. Et puis, bien sûr, c'est un peu mon grand-père à moi, le grand Léon, puisqu'il a commenté les enterrements de Churchill ou du général de Gaulle. Léon Zitrone, bonjour. Immense merci d'abord d'avoir accepté cette interview posthume. Vous êtes une femme charmante. Alors je ne vois pas quelle raison j'aurais de ne pas vous répondre. Ah ben ça c'est très gentil ça. Oui, merci. Si vous aviez été blonde, je vous aurais reçu avec encore plus d'enthousiasme. D'accord. Bon, alors ma première question. C'est quelque chose de formidable à t'apprendre. Non mais Léon Zitrone, j'ai une question d'abord. Est-ce que... Non, laisse-moi parler d'abord parce que c'est tellement formidable. D'accord. Alors bon, on vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez absolument nous dire de si fondamental? Je pense que ma vie n'a pas été totalement inutile, puisque j'ai pu apporter, à vous madame, à vous monsieur, j'ai pu vous informer, j'ai pu quelquefois vous distraire, et il serait donc faux de prétendre que ma vie n'a servi à rien. Ah mais vous savez, personne n'a prétendu le contraire, hein, vraiment pas. Hein. C'est vrai. excusez-moi Léon Zitrone, mais je comprends pas pourquoi vous mettez une musique pendant l'interview, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Hein? Le trait permanent de mon caractère, c'est la peur abominable du vide. Oui, mais ça, le vide, vous n'aimez pas du tout. Hein. Je peux vous dire ce que je n'aime pas. Je n'aime pas le soleil. Je n'aime pas les maniaques. Je n'aime pas les radoteurs. Je n'aime pas les casse-pieds. Je n'aime pas l'avion. Il y a un tas de choses que je n'aime pas. Oui, visiblement. Oui. Je n'aime pas la cuisine avec de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, de la ciboulette, toutes ces herbes qui sont mauvais. Oui. Je n'aime pas le sel et je n'aime pas le poivre. Léon Zitrone. Je n'aime pas... comment puis-je dire? Léon Zitrone, stop, arrêtez avec cette musique. En plus, s'il vous plaît, ça fait très snob, tout ça. Je ne pense pas être snob du tout. Alors, peut-être pas snob, mais vous n'aimez ni rien, enfin rien ni personne. Vous respirez pas la gentillesse. Mais la gentillesse
Nya, nya, nya. Pourquoi ? Nya, 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 vous virez vite quelque chose, là. Ça, pas du tout. Bah, pourquoi être gentil ? Parce qu'on vit en société, on essaie de faire les uns avec les autres, on essaie de s'aimer comme on peut. J'essaye, autant que possible, de ne pas être désagréable à mon prochain. Oui, alors là, c'est pas flagrant tout de suite. Mais pourquoi peut-on me dépeindre sous les traits d'un homme pas gentil ? Bah disons que, à vous de nous prouver que vous êtes gentil. Tiens, puisque vous êtes joueur, vous êtes une figure emblématique d'Interville, on va jouer. Je vais vous donner trois occasions d'être gentil. Il faudra être gentil au moins une fois, et si vous y arrivez, alors là, vous avez gagné. Vous êtes partant ? Oui. Alors, ok, on commence. Dites quelque chose de gentil sur Stéphane Bern, qui est un peu votre héritier spirituel. Je ne peux pas, ça me révulse. Non, mauvaise réponse. Vous commencez mal, Léon. Deuxième question, est-ce que vous pouvez dire quelque chose de gentil sur le nouvel album de Patrick Bruel ? C'est très simple. Alors, on vous écoute. Ce n'est pas bien. Non. Mauvaise réponse. Il vous reste une toute dernière chance pour gagner, Léon. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de gentil à Alex Vizorek ? Câlin, câlin, guili, guili. Câlin, câlin, guili, guili. Et ça, vous trouvez que c'est gentil ? Je suis gentil. Bon, d'accord. On dirait Hollande. Bon, d'accord. On vous accorde le point. Bravo. On l'applaudit. Ça a été accouché dans la douleur. Merci, Léon Zitrone, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez un peu bougon, mais enfin, mais bon, ça fait votre charme. Il est l'heure de se quitter. Vous êtes venu pour travailler. Par conséquent, vous devez repartir. Voilà. Et je préfère les blondes. Voilà. Merci. Au revoir, Léon Zitrone. Merci Léon Zitrone. Et merci Christine Grosalès, toujours avec les archives. C'est un melting pot, effectivement, ouais, d'archives. De Lina, de notamment. Lina. Et... Merci Christine Grosalès, vous êtes sur France Inter. Marianne Bassler est en notre compagnie. On va reparler du texte L'autre fille d'Annie Ernaux avec Juliette Arnaud dans un instant. Et avant ça, ce petit sujet, car d'ici 2022, 100% des services publics seront accessibles en ligne. Chouette. Sauf pour ceux qui ont des difficultés d'accès à Internet, les plus démunis ou les zones rurales. Et pour tous ceux qui ne sont pas des pros de la souris, les plus âgés ou les moins doués d'entre nous. Et quand bien même pour ceux qui seraient chez Bran, l'administration a-t-elle la moindre idée de ce que signifie de se lancer seul dans la création d'un espace personnel de service public ? Dans ces cas-là, mieux vaut être deux. Jacqueline, comme ton prénom, ça tu sais l'écrire. Tu dis tout de suite que je suis débile. Non, j'ai pas dit ça. Bon. Alors, ensuite, Mazerin, tout attaché sans espace. Arrobase, c'est un petit A entouré d'un rond. Je ne comprends rien. Maman, je t'assure que c'est mille fois plus simple que tous tes trucs de Bridge. Oui, mais tu expliques mal. Bon, alors, arrobase, le petit A comme ça, là. Voilà, très bien. Gmail. T'as quoi ? Mail ? Non, mais moi, j'ai rien. Gmail, G-M-A-I-L, point com. Point, comme un point. Voilà, comme un point. Ouais, avec un T, donc. Point. Non, maman, t'as écrit point. Non, juste un point, comme ça. D'accord. Voilà, com. Comme ? Comme. Non, maman, tu le fais exprès. Mais pas du tout, tu dis comme. Comme quoi ? Mais comme rien, comme, c'est OM. Moi, l'Internet, c'est la dernière fois. C'est Josiane Balasco et Alexandra Lamy dans Retour chez ma mère, le film d'Éric Lavenne. Combien d'entre nous, autour de cette table, et peut-être vous, Marianne Bassler, a vécu un petit peu cette scène de s'énerver sur son entourage ? Non, moi je suis restée zen. Dans mon entourage familial, il y a des personnes dont ce n'est pas tout à fait la culture. Et mes enfants expliquent notamment à leur grand-père, parce que mes enfants sont évidemment beaucoup plus avancés que moi encore, créer une adresse mail, tout ça. Moi personnellement, je ne suis pas sûre que et je serais capable de le faire. Tout le monde garde son calme. Oui. Alors on va vers un 100% numérique où toutes les tâches administratives, les demandes, etc., tout passe par Internet. Mais il y a, en tout cas en France, il y a 6,7 millions de Français qui ne se connectent jamais. C'est quand même beaucoup. Puis il y a des gens qui n'ont pas accès ou qui ont des difficultés, ou nous-mêmes parfois, je me sens un peu concernée. Mais c'est vrai, créer son espace personnel, allez-y les gars, quoi, je vous le dis. Hein et, je suis entièrement d'accord avec c'est pour ça que j'ai voulu traiter ce sujet, je vous le dis. Et puis base que tu l'as créé, souviens-toi de ton mot de passe quand t'en as 52. Vous vous reconnaissez, Marianne Bassler, vous trouvez votre place dans cette société du tout numérique. Je pense qu'en même temps, la France, ça ne concerne pas que nous. On vit dans le monde, on ne peut pas être Bruges la morte non plus. Les Russes sont plus évolués que nous sur ce plan-là, les Américains, les Chinois. On est obligé de passer au tout numérique, mais effectivement, il faut mettre en place des plateformes qui expliquent aux personnes plus âgées dans les mairies, créer des lieux. Enfin, apparemment, ça se fait. J'ai lu dans votre... dans l'article que vous avez soumis. Dans les mairies, dans les pôles emploi. Qui est publié par Le Monde. S'il n'y a pas de contexte familial qui permet aux plus jeunes d'apprendre aux plus âgés, parce que les plus jeunes, bon, ils ont plein de... Même à l'école, il y a des cours
Donc, mais effectivement, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Vous avez encore des contacts presque humains, je dirais, pour certaines tâches administratives ou... Mais oui, mais vous savez, moi j'ai une copine qui a 92 ans et on reste en contact par Facebook et je trouve ça très sympa. Ah, génial. Et mes enfants ont encore une grand-mère et elle n'arrête pas de liker mes articles et je trouve ça chouette. Ouais, c'est super. Je trouve que c'est important. Je pensais à un metteur en scène avec qui j'ai travaillé, qui était Jacques Lassalle. Il était complètement perdu, il n'arrivait pas à envoyer un mail. C'est dommage. Oui, donc ça peut laisser des gens sur le bord de la route. Mais... Bah oui. Faut se battre. Il y a des gens qui veulent rester aussi sur le bord de la route. Parce que putain, cette route, où est-ce que... Oh, il était plus marrant quand il était italien. Quand même. Non, mais, j'ai fait, mais Hippolyto est reparti. Oui, je crois que le monde évolue. Il faut évoluer avec lui, aider les gens à changer avec lui. Mais bon, qu'il faut les deux. Ça n'empêche pas l'ancien monde d'exister. Bien sûr. Écrivez des lettres, merde. Oui, c'est vrai, ça c'est chouette. Marianne Bassler, revenons donc à ce texte que vous dites sur scène, que vous jouez, que vous interprétez au théâtre Les Déchargeurs jusqu'au 1er décembre et puis en France dans les festivals. Et notamment, vous passerez par Marseille ou Nevers. L'autre et fille Villard. D'Annie Ernaux et Villard. Juliette Arnaud. Oui, alors on va commencer avec un petit quiz de chansons françaises, parce que sinon Alex, il est hors concours. Attention. Qui chante la chanson suivante qui s'achève sur ces vers ? Toi, le frère que je n'aurai jamais. Maxime Le Forestier. Oui, exactement. Bon, bah, il a gagné. J'aurais dû prendre une chanson en anglais. Je vais quand même les dire, ces vers. Toi, le frère que je n'aurai jamais, je suis moins seule de t'avoir fait pour un instant pour une fille. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille. Alors, c'est une chanson lettre à un frère qu'il aurait aimé avoir, lui qui n'a que des sœurs, Maxime Le Forestier. Et il écrit cette chanson en 71, il a 20 ans. Bon, on pleure tous, hein, c'est scientifique, sur l'échelle de la chanson qui t'empoigne jusqu'aux larmes, 0 étant Tata Yo-Yo et 10 mourir d'aimer. Oh. Mon frère est à 8. Et puis, longtemps après, Maxime Le Forestier découvre qu'il a vraiment un frère, qui est né en 1970 et dont il ne connaîtra l'existence que 8 ans plus tard. Je savais pas ça. Truc de fou. Alors on va larguer, vous le sentez comme on a largué le scientifique là, parce que souvent l'auteur, l'écrivain, il pense être dans la fiction et bim, ironie de la vie qui est décidément bien ironique, l'auteur, l'écrivain, il est Cassandre, il dissipe les brumes, il voit le présent, parfois même il voit l'avenir. Quand Annie Ernaux écrit L'autre fille en 2011, elle n'a pas 20 ans, et cette sœur-là est morte depuis longtemps, avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la naissance d'Annie Ernaux. Elle ne l'a pas connue et elle apprend quasi accidentellement son existence. C'est une toute petite existence, l'enfant est morte à l'âge de 6 ans. Une enfant d'un monde qui n'existe plus, en tout cas pour nous. Sa maladie fatale s'appelle la diphtérie, on sait plus ce que c'est. La petite enfant s'appelait Ginette, un prénom de vieux, lui, qui ne revient pas. Aucune star pour appeler son enfant Ginette, pas même une Kardashian. Annie Ernaux a 10 ans à l'époque, elle se croyait enfant unique, et puis ben non, elle est la seconde. Alors elle écrit « Je suis venue au monde parce que tu es morte et je t'ai remplacée ». Face au secret, au chagrin qu'il contient, Annie Ernaux raconte comment et pourquoi elle fait perdurer la tradition. Et comment elle se tait et n'en parlera jamais avec ses parents et attendra qu'ils meurent, ses parents, pour aller fleurir la tombe de la petite sœur aînée inconnue. Comme c'est Annie Ernaux qui écrit, elle procède à son habitude, chérie pour ceux qui l'aiment, et c'est mon cas. On est toujours dans ce travail auto-sociobiographique, c'est-à-dire qu'elle utilise le matériel autobiographique comme terrain de questionnement social, ou comment la petite histoire est insérée dans la grande. Ce livre-là, l'autre fille n'y déroge pas, mais il est particulier. Déjà, le genre épistolaire. Qui écrit encore des lettres ? Ce qui est couillon, hein, parce qu'à ce rythme, il n'y aura plus de liaison dangereuse. Enfin bref, c'est l'idée merveilleuse de cette collection qui s'appelle Les Affranchis. La note de l'éditrice au début du livre, c'est « Quand tout a été écrit sans qu'il soit possible de tourner la page, écrire à l'autre devient la seule issue. Écrivez la lettre que vous n'avez jamais écrite. » Alors, Annie Ernaux écrit à cette sœur qu'elle n'a pas connue, qu'elle n'a pas eue, comme Maxime. Elle l'écrit « Nous n'avons pas joué, mangé, dormi ensemble. » Qu'est-ce que c'est écrire ? C'est peut-être alors pour jouer au jeu préféré des enfants, jouer à Dieu, et donc la ressusciter, la sœur inconnue, et puis la tuer à nouveau. Parce que c'est un jeu dangereux que de celui de jouer à Dieu. Est-ce qu'écrire la lettre ultime, c'est vraiment mettre un point final ? Annie Ernaux écrit vers la fin de sa lettre « T'écrire, c'est faire le tour de ton absence. » Mais un tour, c'est un cercle. C'est infini, donc, par essence. À présent, une petite expérience. Fermez les yeux, pas ceux qui conduisent aimer les autres. Réfléchissez. À qui n'avez-vous pas écrit une lettre, l'ultime ? À qui voudriez-vous l'écrire ? Chut, ne dites rien, dites-le vous à vous-même, écrivez-la. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci. Marianne Bassler, vous voulez réagir ?
Elle dit une très belle chose. Elle dit « Je n'écris pas parce que tu es morte, tu es morte pour que j'écrive ». Ça fait une grande différence. Il y a toujours cette espèce de elle ramène aussi, c'est de très concret, elle ramène cette relation à une espèce de chamaillerie entre deux sœurs qui n'a jamais existé, qui finalement la plus belle chose qui pourrait lui arriver, c'est de s'engueuler avec sa sœur. Donc il y a ça aussi, quelque chose de très concret. Et puis elle fait exister son talent d'écrivain, il lui donne une raison d'avoir existé. Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir Marianne Bassler avec ce texte, L'autre fille, Théâtre Les Déchargeables, donc le texte est disponible. C'est chez Nil, les collections Les Affranchis. Merci Juliette Arnault. Allez, ce dernier sujet avant d'écouter Frédéric Fromet. Apparemment, il y a une nouvelle exception culturelle française. Ce serait la revanche des actrices quinquagénaires. Plusieurs expliquent dans le magazine Les Échos qu'elles décrochent plus de beaux rôles que leurs homologues américaines. Il y aurait une forme d'évolution où le cinéma français offre plus de beaux rôles aux actrices quinca. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne connais pas les chiffres. Alors, ceci dit, j'ai vu Emma Thompson, enfin moi, elle est anglaise, elle a joué un très très beau rôle. On trouve rarement des rôles comme ça, je trouve, dans le cinéma français, My Lady. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actrices françaises qui font plein de choses. Moi, j'ai l'impression d'avoir la chance d'en faire partie aussi. Oui. Mais il paraît qu'il y a 6% de rôles qui sont attribués à des actrices de plus de 50 ans, alors qu'elles représentent quand même 20% de la population adulte. Donc, on se prive de sujets au cinéma. Oui, parce que je crois que ces femmes, elles vont au cinéma. Elles sont entre copines, elles vont au musée, au cinéma, au théâtre. Les Échos magazine nous disent qu'avant, c'était difficile après 40 ans, et maintenant, c'est après, oui, plus après 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans la carrière féminine, où c'est plus 40 ans la date de péremption, c'est au-delà de 50, ça s'est amélioré. Comme moi, comme Emmanuel Macron, on a beaucoup fait. bien sûr. Forcément, bien sûr. Je crois que la population vieillit aussi. Oui. Et puis peut-être des actrices un petit peu porte-étendard comme Karine Viard, Sandrine Kiberlin, qui sont les exemples dans le magazine. Emmanuelle DeVos, Juliette Binoche, Agnès Jaoui, qui peuvent être peut-être des locomotives pour porter une génération. Je ne sais pas dire si c'est des locomotives. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, quoi. Moi, j'ai fait partie il n'y a pas longtemps d'un jury dans un festival, et c'était un festival sur des films d'histoire. Bon, j'ai fini par dire, les femmes sont absentes des champs de bataille, mais pas de l'histoire. Il n'y avait pas de femmes. Donc c'est quand même dommage. Et oui. Donc à nuancer cet article. Marianne Bassler, il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre dos, physiquement dans le studio, ça se passe comme ça. Chez vous, il est dans vos oreilles. Mais pour vous chatouiller uniquement les oreilles, c'est Frédéric Fromet et sa guitare. Bonjour Frédéric. Bonsoir. Oui, c'est vrai qu'il fait nuit maintenant. Voilà. De quoi allez-vous nous chanter ? Eh bien, afin d'évoquer les gilets jaunes, je me suis lancé dans l'autopartage de chansons avec Jean-Patrick Capdevielle. Oh là là. Ouais. Quand t'es dans le diesel depuis trop longtemps, tu te demandes comment faire quand t'es toujours plus taxé, que tu dois manifester avec vos pieds. Toi tu roules au diesel, tu pues depuis toujours, et ceux qui t'encourageaient te disent de faire demi-tour à trottinette avec leur barbe de 3 jours. Toi tu claques ton salaire à la station Shell, comme si tu conduisais un convoi de tractopelles, comme si tu tournais dans des racines et diesel. Quand t'es dans le diesel depuis trop longtemps, tu te demandes comment faire pour dire que t'es pas content, soutenu par Nicolas Dupont-Aignan. Aujourd'hui c'est ta poubelle qui peut plus prendre la route, demain ce seront les chaudières au fioul qui seront à août. Ta femme pourra plus dire j'ai un poil à mazout. Souchon aura beau chanter fioul sentimental, Edith Piaf emporté par le fioul, tu t'en fous pas mal. T'écouteras pas ton autoradio sans gasoil. Quand t'es dans le diesel depuis trop longtemps, demande comment faire sur une départementale aux côtés du Rassemblement National.
C'est pas que tu sois plus honnête qu'un garagiste ou total, mais t'as du mal à encaisser l'injustice fiscale. La fin de l'ISF t'a rapporté que dalle. Quand les riches s'enrichissent et que tes fins mois sont rudes, Ségolène Royal dirait perdu sous d'autres latitudes. C'est pas très populaire le goût de la taxitude. Quand t'es dans le diesel depuis trop longtemps, tu te demandes comment faire. C'est pas une perquisition, tu n'as pas besoin de Jean-Luc Mélenchon. Quand t'es dans le diesel depuis trop longtemps, tu te demandes comment faire pour mettre le beau lolo sans passer pour un coup anti-écolo. Quand t'es dans le diesel depuis trop longtemps, non, 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 non. Je comprends que pour toi l'essentiel, ce n'est pas d'être élégant, sinon que ferais-tu avec un gilet jaune? Merci Frédéric Fromet. Merci. Vous jouez ce week-end? Oui, dimanche à Pithiviers dans le Loiret. Si vous y arrivez donc. Voilà. Si c'est pas bloqué. Bah oui, évidemment. Merci Frédéric Fromet. Et merci infiniment Marianne Bassler. Mais c'est moi qui vous remercie. On était heureux de vous accueillir. Donc je rappelle que L'autre fille, le texte d'Annie Ernaux, que vous mettez en scène aussi avec Jean-Philippe Puy-Martin, c'était au théâtre Les Déchargeurs jusqu'au 1er décembre. Que je joue. Du mardi. Ah oui, que vous jouez. Du mardi au samedi à 21h30. Et ensuite. Il y a notamment Nevers, Marseille et, vous m'avez dit, Villars, et Villars en Suisse. Voilà, entre autres. Voilà. Merci, merci à tous. Juliette Arnaud, Christine Gonzalez qui reprend le train pour la Suisse, Hippolyte Girardot pour l'Italie, Alex Vizorek qui reste, il est obligé, il revient lundi. Non, je vais avec à Toulouse demain, ah, si tant est qu'on y arrive. Donc, Toulousain, je fais tout pour arriver demain. Merci à notre équipe, à Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, merci à Sarah Masson, à la préparation, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. Merci aussi à Ramzi Assadi, Ramzouille avec un oui pour les intimes. On laisse le mot de la fin à Marianne Bassler. Assez soulagée que Guillaume Meurice était absent aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi, je trouve qu'écouter la radio, parfois, c'est épouvantable. Souvent, il y en a un, j'éteins quand je l'entends. Et vous, pour votre retraite, vous êtes plutôt cigale ou fourmi? Salarié ou indépendant.